Alors, je vous explique. En gros, dans cette vidéo, on va faire un test de pureté avec mon cousin Fenson. Et de base, on devait sortir cette vidéo sur sa chaîne. Mais finalement, bah voilà quoi. Donc si on parle de Fenson Army ou je sais pas quoi, bah voilà quoi. Bon les gamins, pour ma part, je vous dis à tout de suite et je vous souhaite un bon visionnage. Yo les gars, salut à tous. Salam alaikum, les amis. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une webcam. Il y a Fenson, il est là. Fenson, voilà, c'est la Fenson. Les gars, vous êtes la Fenson Army. Ouais, ouais. Et la les gars, Fenson bien Army, ouais. Bien. Et du coup, ben voilà, on se retrouve là à faire une vidéo. Et ouais. Sur un test de pureté. Sur un test de pureté. Vas-y, on va commencer. Vas-y, on va savoir si on est pur. On teste pour qui? D'abord, on le fait pour toi. Après, on le fait pour moi. Ou d'abord pour moi, après pour toi. Let's go frérot. Vas-y. Donc, mec, attends. Du coup, première question. Les gars, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Est-ce que t'as déjà ri du malheur de quelqu'un? Ok, du coup, on commence pour moi. Vas-y. Franchement, t'as oui. Déjà. Ah ouais. Ouais, je suis un bâtard, mais ouais. Putain, moi aussi. Mais après. J'étais un gamin. Après, c'est normal, je trouve. Genre, qui n'a jamais ri du malheur de quelqu'un? Attends, dans le sens où tu ris. Genre, j'ai ri du malheur d'un gars que j'aimais pas, tu vois. Ouais, après, pareil. Si ça compte. Ouais, non, si ça compte, bien sûr. Bon, bah, vas-y. Donc, ouais, si, ouais, bien sûr. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Ouais, je vais pas te mentir. Ouais. Ah ouais, quand j'étais petit, je me moquais des trisomiques. Genre en mode de, ouais, l'équipe de Beauvais. Tu connais l'équipe de Beauvais? Là, putain, je viens de me rapprocher de ouf là. Bref, vas-y, oh, je vais pas les couilles. Ouais. Vas-y, passe. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Ouais, c'est déjà arrivé. Bah oui. Ensuite, combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Arrêté? Franchement, moi, je me suis fait arrêter non, deux fois. Non, tu déconnes. Si. La police? Ouais, mais on m'a arrêté dans la rue, genre on m'a demandé les papiers tout ça. Genre. Non. Si, deux fois. Bah, du coup, ouais, t'as déjà... Deux fois en vrai dans toute ma vie. Putain, mec, moi j'ai jamais été arrêté. C'est quoi? Moi, c'était une fois dans le métro, c'était les keufs, genre. C'était il y a pas longtemps. Vas-y, tu sais quoi, je vais raconter. Ce qui s'est passé en fait, j'étais dans le métro et j'allais en cours. J'arrive, je suis posé dans le métro, comme ça là sur mon téléphone. Genre j'étais comme ça sur le mur. Et c'est pas, j'arrive, je passe devant le flic, comme ça, genre ils sont là à ma gauche. Et là, il commence à venir vers moi. Ouais, contrôle d'identité, mettez-vous contre le mur, tout ça. Je me suis dit, ouais, je suis dans la merde et tout. En fait, pas du tout, je suis pas dans la merde parce que j'ai rien sur moi, j'ai rien à voir. Mais du coup, voilà. On s'en bat les couilles, on parle trop là, vas-y. On parle deux. Bah, deux fois, tu vois. J'ai parlé pour rien. Ah, mais du coup, les gars, là, c'est nos tests, ils sont mélangés, tu vois. Ouais. C'est un peu. Bah, vas-y, on fait pour moi alors. On fait que pour toi, vas-y, on fait que pour toi. Avez-vous déjà goûté de l'alcool? Non. Non, je vous jure que c'est non. Est-ce que t'as déjà été ivre? Non. Bon. Avez-vous déjà participé à des jeux à... Parce que oui, attendez, il faut savoir que lui, il boit que de l'eau. Ce mec est un extraterrestre. Il boit que de l'eau. De l'eau pure. De l'eau, alors mon eau préférée, c'est la cristalline. C'est la cristalline, voilà. Et avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Je pense que non, du coup, a priori. Non, bah non. Bah non, du coup. Pour vomir, je pense pas. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Vomi sur nous? Sur vous, bah oui. À cause de l'alcool? Non. Oh. Ah, comme ça? Ouais. Ouais. C'était en Grèce. En Grèce? C'est du vomi dans le restaurant. Ah putain. Bon. Ah ouais, bah du coup, ouais. Ouais. Et du coup, vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Je suis jamais allé dans une boîte de nuit et d'un bar, j'y vais très rare. Mais tu t'es jamais fait sortir. Avez-vous déjà participé à un bar à tout? C'est pas le truc, genre les bars. Tous les bars d'une ville. Ouais, non. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Non. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par an? Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Ouais, ça m'est arrivé, je crois. Moi, non. Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Ah putain, c'est dégueulasse. Gros, imagine ton. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Vomi? Ouais. Dans un lieu public, bah oui, du coup, ouais. Ouais, bah oui. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Genre sur une voiture. Ouais. Enfin, pas sur une voiture, mais. Sur une nationale. Non. Enfin non, mais pas une nationale, non. Mais le truc devant chez toi là. On avait pissé sur la route. En fait les gars, pour la petite anecdote, on avait pissé en pleine route. Sur la route genre. Avez-vous déjà été
En bad trip. En bad trip, c'est quoi déjà? Genre, en fait, t'es KO. Ton voyage, il a tourné en. Vraiment en truc de fou, genre en mode de la coke, baise, je sais pas quoi. Non. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Genre en mode, est-ce que t'as impliqué quelqu'un dans tes drogues? Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était momentanément handicapé? Ah ouais, genre tu l'as baisé. Avez-vous déjà saoulé? Ah bah tiens. Saoulé ou drogué quelqu'un? Pour en abuser sexuellement. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah oui. Ah ouais? Avez-vous déjà embrassé? Non. Et où? Non. Putain, j'ai une galère. Avez-vous déjà embrassé et où peloté quelqu'un? Si tu t'as déjà peloté, c'est ça en est en même. Ouais, bah oui, j'ai déjà embrassé quelqu'un. Avez-vous déjà embrassé et où peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Non. Avez-vous déjà une relation sexuelle? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Ah ouais, moi ça m'arrive, hein, par semaine, des petites putes. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation? Ouais, cunilingus, non. Cunilingus, je crois, c'est un truc genre. Ouais. Moi, je sais pas, non, bah, c'est pas ça. Bro. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Ouais, ouais, moi, on me l'a mis dans le cul. Non. Si, j'ai mis d'un concombre dans mes fesses. Oh putain. Triste histoire, incroyable. Non, je rigole, non. Avez-vous déjà fait un 69? Non. Avez-vous déjà eu une IST, infection sexuellement transmissible? Ouais, genre ça. Non. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle sans utiliser de moyens de contraception? Attends, il y avait marqué un truc. Avez-vous déjà subi... Wesh, ils étaient en train de faire un avortement? Bah non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu déconnes. Genre, on était 27. Tu déconnes? Non. On était 27. Non, quoi? Bah non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Wesh, le mec qui baisse. Ouais, dans le j'étais à l'Opéra de Paris. Non. Ouais. Avez-vous déjà eu des poulures de tapis? Ou été blessé physiquement à cause du sexe? Non. Genre, je suis. Genre, tu l'as tellement baisé fort qu'elle était brûlée à cause du tapis, genre. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Ouais. Non, je rigole, non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Mais comment c'est possible? Alors, avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Non, c'est... Imagine plus de 5 frères, ouais. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou pas? Non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne dans la même famille? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ou une amie de votre partenaire officiel? Non. Avez-vous déjà eu une relation avec quelqu'un qui était deux fois plus vieux que vous? Non. Vous n'êtes pas ma conne. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Non. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Ouais. Ouais, une oreille. Non. Mais genre léché de ouf, genre. Non, comme ça, non. Mais du coup, oui ou non? Tu la rends? Moi, je léche une oreille. Mais genre là, comme ça. Ouais. C'était trop marrant, en vrai. Ah ouais? Mais mec, comment tu peux lécher un œil? Un œil. Wesh. Un orteil. Ah, putain. Du coup, ouais, t'as... Une oreille. Une oreille, ouais. Une oreille. Bah, c'est léché, mais pas vraiment. Bah... Du coup, ouais. Mais vous, déjà, La question. La fameuse question, hein, bah non, non franchement, moi jamais. En vrai, non. Jamais. Non, non, jamais. Eh. Vous êtes. Non, moi jamais. Non, hein. Moi jamais. Non, toi aussi jamais. Vas-y, non. Non. Non, mais. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre, ou se faire uriner dessus par quelqu'un? Wesh. Ah. C'est dégueulasse. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Bien sûr. Bah, bien sûr. Avez-vous déjà été voyeur? Voyeur. Ça veut dire quoi, genre? Bah, genre. T'expulmes les autres, genre en train de baiser. Les autres en train de ken. Ah ouais, en train non. Ouais, non. Non. Avez-vous déjà. Non. Simulé l'enfant. Avez-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe?
Bah non. Avez-vous déjà exhibé ou partenaire intime en public? Ouais, trop nul, les gars, pas bon quoi. Êtes-vous tatoué quelque part? Ouais, sur mon anus. Oh, bah ouais, c'est vrai que moi ça m'arrive aussi. Avez-vous déjà travaillé pour une caritative? Ouais. Posez-vous. Une Bible, un Coran, oui. Oui. Moi, je... Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Ouais. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non. Vous êtes... On est pur, mec, attends, putain, c'est quoi ça? Vous êtes pur. T'es pur, mec. Je suis pur. T'es pur. Alcool, 11%. Alcool. Comment ça, 11%? Mec, c'est pas possible, j'ai jamais bu d'alcool, frère. Non. Drogue, 0%. Sexe, 11%. Hygiène. Ouais. Quoi? Non, c'est faux, c'est faux. Morale, 15%. Non, c'est faux. 17%. Non, c'est faux. Mec, c'est n'importe quoi. Comment ça va? Voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Moi, j'ai pas participé parce que du coup, on l'a déjà fait un peu en même temps. Mais voilà, les gars, c'est fini. Ouais. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Enfin, donc, c'est la chaîne de. De moi, là. De lui. De moi. De moi. Ah, il a juste la bave. Attendez, je sais pas si je peux vous montrer, mais là, attends, on va faire comme une makeuse. Bref, vas-y, on va arrêter de faire les cons. Vas-y, les gars. Et voilà. Voilà. Voilà, les gars. Vas-y, vas-y. C'est quoi déjà pour arrêter là? Ciao.